let me tell you a story in French and see if you can place the word amande in the right place mentally so that you know which amande I'm talking about. Great comprehension exercise. And you're welcome. Un homme est très nerveux à l'idée de rencontrer sa nouvelle belle-famille. En effet, sa copine a invité ses parents à la maison. Assis, il commence un peu à parler. Et puis, bon, pendant l'apéro, il y avait des amandes. Et du coup, l'homme dit à sa copine, « Pourrais-tu me passer une amande ?» Au lieu de dire « les amandes », il a dit « une amande ». La copine était un peu surprise parce que justement, cet après-midi même, elle venait d'avoir une amende. Donc, elle se lève pour prendre l'amende et lui donner. À son plus grand regret, il était très embarrassé parce que du coup, il paraissait très très mal auprès du beau-père qui détestait quand les gens conduisaient vite. Qu'avez-vous compris? What did you understand? Difference between asking for an almond that you eat and an almond that you get a ticket. You definitely know which one you want or don't want, right? I have a second story for you, and this one is actually a French joke. You're gonna like this one. Let's see if you know which amande I'm talking about, okay? Une vieille mamie invitait souvent des gens chez elle. Et à chaque fois, elle proposait des amandes. Un jour, un petit garçon qu'il aimait bien, qu'il appelait mamie, même si c'était pas vraiment sa mamie, lui disait « Mamie Jeanne, pourquoi à chaque fois tu nous proposes des amandes ?» Et elle répondit, dans sa petite voix, « Oh là là mon petit fiston, tu sais à chaque fois qu'on va au baptême et au mariage, des événements qui proposent des dragées, eh bien moi ce que je fais, c'est que je suce les dragées, mais comme j'ai pas vraiment les dents pour, eh bien du coup je garde les amandes et je les propose. » C'est dégoûtant.